الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا Compte tenu de l'absence des documents médiatiques concernant les quelques personnages ou passages de ce film, on a été dans la nécessité de les représenter par d'autres séquences ou d'autres personnages, qu'ils soient connus ou anonymes afin de donner plus de réalisme à ce projet. Toute ressemblance est pure coïncidence. Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. Que la prière et la paix soient sur son prophète, ses compagnons et les élus, héritiers de sa sagesse témoins de la vérité. Au cours du début de la Himara, on commence par le chant citadin, c'est-à-dire andalou, et si son ardeur se développe, on passe au mode bédoui. Cela est recommandé mais non obligé. Tout fakir, disciple, qui voudrait se joindre au cercle de la danse, doit le faire avec politesse et douceur, ayant trait sans brutalité. Il devra rester derrière eux, jusqu'à ce qu'on lui entrouve un espace pour y pénétrer. Il est préférable, pour lui, de chercher un espace libre entre les rangs pour le remplir. Dans le cas contraire, il s'écartera avec douceur et ne persistera pas pour s'introduire. Prend fin par la formule Laïla Ilada Mohamedou Rasoulula Mouchafi Aouna Rasoulula. Que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Tous s'asseyent là où ils se trouvaient debout, sans chercher à changer de place. Ils réciteront la salutation sur le prophète. Personne récitera quelques versets du Coran dans un temps court, il les choisira, porteurs de bonnes nouvelles ou de belles promesses. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Il arrive, des fois, qu'au lieu de réciter le Coran selon l'état du djinn, on chante des poèmes. Puis tous récitent l'Alokfia et on invoque Dieu. Une moudakara est faite par le cheikh, s'il est présent, ou sinon quelqu'un de qualifié pour cela. On chantera ensuite des chants de salutation sur le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui. Avec une voix basse car, après la vigueur de l'extase, le disciple a besoin d'apaisement et de quiétude. Au cours de ces derniers chants, le thé est servi aux présents, et ce moment leur permet de rester à leur place, là où ils se trouvent, jusqu'à ce que la sueur sèche. Le djinn prend fin, après la distribution du thé et quelques chants, par la formule de clôture. Oh.
ربكم عين الرحمة جمعكم فيه حكمة.